La parole qui donne la vie éternelle. La résurrection. Je revois la puissante résurrection du Christ qui me remplit de joie. Dans le jardin, tout n'est que silence et scintillement de la rosée. Au-dessus, le ciel devient d'un saphir de plus en plus clair, après avoir quitté sa couleur bleu-noir criblée d'étoiles qui, pendant toute la nuit, ont veillé sur le monde. L'aube repousse de l'Orient vers l'Occident les régions encore obscures, comme le fait l'eau lors des marées hautes, qui avance toujours plus pour recouvrir la plage et remplace le gris noir du sable humide par le bleu des eaux marines. L'une ou l'autre étoile ne veut pas encore mourir et luit de plus en plus faiblement sous l'onde de lumière vert clair de l'aube, d'un blanc laiteux nuancé de gris, comme les feuillages des oliviers engourdis qui couronnent un coteau peu distant. Finalement, elle fait naufrage, submergée par l'onde de l'aube comme une terre que recouvre l'eau. Et puis en voilà une de moins, encore une, et une autre, et une autre. Le ciel perd ses troupeaux d'étoiles, et ce n'est qu'à l'extrême occident que 3 étoiles, puis 2, puis 1, restent à regarder ce prodige quotidien qu'est l'aurore qui se lève. Quand, du côté de l'Orient, un filet de rose trace une ligne sur la soie turquoise du ciel, un soupir de vent passe dans les feuillages et sur les herbes et avertit « Réveillez-vous, le jour est revenu !» Mais il ne réveille que les herbes et les feuillages qui frissonnent sous leurs diamants de rosée, émettent un bruissement ténu, mêlé à l'arpège des gouttes qui tombent. Les oiseaux ne se réveillent pas encore. Dans les branches touffues d'un cyprès de grande taille, qui semble dominer comme un seigneur dans son royaume, ni dans l'entrelac confus d'une haie de laurier qui abrite de la tramontane. C'est dans des poses variées que les gardes, transis de froid, gagnés par l'ennui et ensommeillés, veillent sur le tombeau. La porte de pierre a été renforcée, sur ses bords, par une épaisse couche de chaux, comme si c'était un contrefort, sur le blanc opaque de laquelle se détachent les larges rosaces de cire rouge portant le sceau du temple, imprimé avec d'autres directement dans la chaux fraîche. Les gardes doivent avoir allumé du feu pendant la nuit, car on voit encore de la cendre et des tisons mal éteints sur le sol. Ils ont aussi joué et mangé, car je vois, répandus sur le sol, des restes de nourriture et des osselets bien polis, qui ont servi certainement pour quelques jeux, comme notre jeu de domino ou nos billes. Ils ont pour cela utilisé un échiquier rudimentaire tracé sur le sentier. Puis, ils ont tout laissé en plan par lassitude et essayé de trouver des positions plus ou moins commodes pour dormir ou veiller. À l'Orient, une étendue rose s'agrandit de plus en plus dans le ciel serein où, par ailleurs, il n'y a pas encore de rayon de soleil. C'est alors que surgit de profondeurs inconnues un météore resplendissant qui descend, tel une boule de feu à l'éclat insoutenable, suivi d'un sillage rutilant qui peut-être n'est que le souvenir de son rayonnement sur notre rétine. Il descend à grande vitesse vers la Terre, en répandant une lumière si intense, si fantasmagorique, à la beauté si effrayante, que la lumière rosée de l'aurore en est éclipsée et disparaît. Surpris, les gardes lèvent la tête parce que cette lumière s'accompagne d'un grondement puissant, harmonieux, solennel, qui remplit toute la création. Il provient de profondeurs paradisiaques. C'est l'Alléluia, la gloire angélique qui suit l'Esprit du Christ revenant dans sa chair glorieuse. Le météore s'abat contre l'inutile fermeture du tombeau, l'arrache, la jette par terre, foudroie de terreur et de bruit les gardes placés comme geôliers du maître de l'univers en provoquant, avec son retour sur la terre, un nouveau tremblement de terre comme cet esprit du Seigneur en avait produit en fuyant la terre. Il entre, éclaire le tombeau de sa lumière indescriptible, et pendant qu'il reste suspendu dans l'air immobile, l'esprit se réinfuse dans le corps du Christ sans mouvement sous les bandes funèbres. Tout cela se passe non en une minute, mais en une fraction de minute, tant l'apparition, la descente, la pénétration et la disparition de la lumière de Dieu a été rapide. Le « je le veux » du divin esprit à sa chair froide n'a pas de son. L'ordre est donné par l'essence à la matière immobile. Aucune parole n'est audible par l'oreille humaine. La chair reçoit le commandement et lui obéit en poussant un profond soupir. Rien d'autre pendant quelques minutes. Sous le suaire et le linceul, la chair glorieuse se recompose en une beauté éternelle. Se réveille du sommeil de la mort, revient du « rien » où elle était, vit après avoir été morte. Certainement, le cœur se réveille et se remet à battre. Il pousse dans les veines le sang glacé qui reste et en crée d'un seul coup la quantité nécessaire dans les artères vides
dans les poumons immobiles, dans le cerveau obscurci, et il y ramène la chaleur, la santé, la force, la pensée. Un moment passe, et voilà que se produit un mouvement soudain sous le lourd linceul. C'est si soudain, depuis l'instant où Jésus bouge sûrement ses mains croisées, jusqu'au moment où il se tient debout, majestueux, splendide dans son vêtement de matière immatérielle, surnaturellement beau et imposant, avec une gravité qui le change et l'élève tout en le laissant lui-même, que l'œil n'a qu'à peine le temps d'en suivre le développement. Et maintenant, il l'admire. Jésus est fort différent de ce que la pensée peut rappeler. Il est en pleine forme, sans blessure ni sang, mais seulement éblouissant de la lumière qui jaillit à flot des cinq plaies et sort par tous les pores de son épiderme. Il fait son premier pas. Dans son mouvement, les rayons qui jaillissent des mains et des pieds l'auréolent de l'âme de lumière. Depuis la tête nimbée d'un diadème composé des innombrables blessures de la couronne d'épines, qui ne donne plus de sang, mais seulement de la splendeur, jusqu'au bord du vêtement quand, en ouvrant les bras qu'il a croisés sur sa poitrine, il découvre la zone de luminosité très vive qui filtre de son habit en lui donnant l'éclat d'un soleil à la hauteur du cœur. Alors, c'est réellement la lumière qui a pris corps. Il ne s'agit pas de la faible lumière de la terre, ni du pauvre éclat des astres ou du soleil. C'est la lumière de Dieu. Toute la splendeur paradisiaque se rassemble en un seul être et lui donne un bleu azur inconcevable dans les yeux. Des feux d'or en guise de cheveux, des blancs purs et angéliques pour vêtements et coloris, et, ce qui est indescriptible par des mots humains, la suréminente ardeur de la très sainte Trinité, dont la puissance anéantit tout feu du paradis en l'absorbant en elle-même pour l'engendrer à nouveau à chaque instant du temps éternel. C'est le cœur du ciel qui attire et diffuse son sang, les innombrables gouttes de son sang incorporel, les bienheureux, les anges, tout ce qui constitue le paradis. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, voilà la lumière qu'est le Christ ressuscité et qui lui donne forme. Lorsqu'il se dirige vers la sortie, et dès que l'œil peut voir autre chose que son éclat, voici que m'apparaissent deux clartés très belles, mais semblables à des étoiles par rapport au soleil, chacune d'un côté du seuil, prosternées en adoration pour leur Dieu qui passe, enveloppées de sa lumière, avec un sourire qui béatifie. Il quitte la grotte funèbre et revient fouler la terre que la joie réveille et qui resplendit sous sa rosée, parmi les couleurs des herbes et des rosiers, sous les innombrables corolles des pommiers qui s'ouvrent par prodige aux premiers rayons du soleil qui les frappe et au soleil éternel qui avance sous eux. Les gardes sont évanouis. Les forces corrompues de l'homme ne voient pas Dieu, alors que les forces pures de l'univers, les fleurs, les herbes, les oiseaux, admirent et vénèrent le puissant qui passe, nimbé de sa propre lumière et de celle du soleil. Devant son sourire et sous son regard qui se pose sur les fleurs, sur les ramilles, puis s'élève vers le ciel serein, tout devient plus beau. Les millions de pétales qui forment une mousse fleurie au-dessus de la tête du vainqueur prennent une teinte plus soyeuse, plus nuancée. Les diamants de rosée se font plus vifs, et plus bleu est le ciel que réfléchissent ses yeux resplendissants, et plus joyeux le soleil qui peint de gaieté un petit nuage porté par un vent léger qui vient baiser son roi avec des parfums enlevés au jardin et des caresses de pétales soyeux. Jésus lève la main et bénit, et puis, pendant que les oiseaux chantent plus fort et que le vent apporte ses parfums, il disparaît de ma vue, en me laissant dans une joie qui efface jusqu'au moindre souvenir de tristesse, de souffrance et d'hésitation sur le lendemain.